Comme elle en a l'habitude, la classe Sciences et Patrimoine animera la soirée et jouera 4 scénettes autour du thème traité en 2019 et 2020, les êtres fantastiques. Les trois quarts des textes ont été écrits par des élèves. Nous vous invitons à nous suivre à la rencontre des êtres fantastiques cachés dans le muséum. Nous voici au pied de la cathédrale. Trois gargouilles tentent de trouver l'âme sœur à une autre gargouille. C'est l'agence matrimoniale Aldaric et Malric à votre service. Quasimodo, il est mort. Bonjour Aldaric, bonjour Malric. Ça tend aujourd'hui, comme vous le voyez. Toujours pas de nuages en vue. Non, ça fait quand même 5 jours qu'il n'y a pas plu et du coup, bah, 5 jours que j'ai pas pris de douche. Quoi? C'est ça l'odeur immonde depuis ce matin? Ah non, mais t'aurais pas pu faire quelque chose? Attends. Tiens, mon nouveau déo. Je l'ai payé 20 euros, donc tu le perds pas. 20 euros? Bah oui. Mais c'est super cher. Je veux pas, ça va. Hein. Je préfère sentir bon que de pluie, hein. Bah... Personnellement, j'enrage de ne point servir mon devoir de gargouille. Nous sommes quand même les nobles protecteurs de la toiture, détournant les flots enragés qui s'abattent sans relâche sur la cathédrale. Oui, bon, ça aussi le déco, hein. Ça. Bon, vous avez vu la gargouille là-bas? Elle a l'air super triste. Oh, mais c'est triste. Qu'est-ce elle m'a confié il y a environ 5 jours que Quasimodo l'avait quittée. Il est parti avec quelqu'un d'autre? Ah non! Il s'est explosé par terre! Depuis, elle fait que pleurer, on s'entend plus parler! T'en as pas marre de pleurer toujours! On s'entend plus parler! Insupportable! Oui, enfin quand même, elle a l'air triste. On pourrait peut-être, je sais pas, l'aider à trouver quelqu'un. Bonne idée, moi. Oui. Tout à fait. Agence matrimoniale, Aldaric et Malric, à votre service! Si vous voulez. J'ai trié toutes les gargouilles de la cathédrale dans le temps. Je suis allée sur le site trouvetagargouille.com. Et le premier est l'hippogriffe. Oh, mais c'est quoi ce truc? On dirait un aigle qu'aurait fait un gosse avec une ânesse. C'est immonde, cela dit. Il est parfait pour les rodéos aériens. De plus, d'après l'affiche, il ne se laisse monter que par les plus nobles chevaliers magiciens. Oh, melon du type! Je me laisse que monter par les nobles magiciens. Next! Le deuxième est le basilic. Apparemment, son seul regard provoque la mort et le désespoir. Oh, mais le psychopathe! Ah non, mais elle va déjà pas bien, elle a pas besoin d'un assassin en herbe comme ça. Hein. Non, on élimine. Ah oui, oui, oui. On élimine. Bon, Il est trop beau! Alors, le centaure. Mi-homme, mi-rodéo. J'espère qu'il a d'autres cœurs dans son âme. Dans sa jeunesse, on l'appelait Chiron. C'était le professeur de personnes méga connues comme Achille de la guerre de Troie. Vous ne connaissez pas, non? Bon, moi je dis, il est beaucoup, beaucoup trop bien pour elle. On garde pour moi, pour nous. C'était Cupidon. Il va nous préparer un date avec le centaure. Oui. C'est quoi cette chose? C'est immonde. Répugnant. Ah. On dirait une sorte de singe qui se nettoie à l'intérieur. Dégoûtant. Ah. Venez, on lui fait peur. T'en penses quoi? On n'aime pas les hommes singes? Oh non. Tu veux Quasimodo? Oui. Mais il est mort, Quasimodo. Je sais. Il est tombé et paf. Bah, il nous reste l'oiseau tricéphale. Il était très présent au Moyen-Âge, mais maintenant, bah, il semble sombrer dans le vif. Moi, je dis, il est un peu triste, mais pour rigoler dans la vie, faut être joyeux. Cela dit, il a un peu la même tête que notre client. Et puis, niveau émotionnel, tu vois, oui, ça marche. Ils sont tous les deux méga tristes. Ah oui, complètement. Moi, je dis, il a la tête de l'emploi. Ah ouais. On lui propose peut-être. Hein. Oui. Tu veux l'oiseau tricéphale? Il ressemble à Quasimodo. Il ressemble à Quasimodo? Oui. Mais c'est nickel, ça. Tu le veux? Oui. Non, moi je veux Quasimodo. Quand même, elle se monte la tête avec Quasimodo. Oh, attendez,
rendez-vous avec le centaure, moi je vous laisse. Et nous, on fait quoi? Bah vous aviez qu'à aller sur trouvetagargouille.com. Bah désolé, mais on savait pas que ça existait avant que tu nous le présentes. Oui, bon, toi tu feras ma coiffure. On y va. Mais je vais choisir, je vais faire ses vêtements. Merci à vous et je vous prie d'aller vers la sortie s'il vous plaît pour la deuxième scénette. Le grand pingouin a été exterminé par des pêcheurs de Terre-Neuve au 19e siècle. Nous avons la chance d'en découvrir un exemplaire au muséum. Voici l'histoire revisitée par les élèves de la classe Sciences et Patrimoine. Sur la roue, un petit kayak avec à son bord trois vieilles pêcheuses et un vieux pêcheur. Trois Bourgondiaux, Dédé, Lulu et Jeannette, et une Marseillaise, Fanny, sont totalement ivres et pris d'une hallucination collective. L'embarcation se laisse porter une nuit d'été. Dans la campagne morvandelle, une vache meugle cassant le silence. Ouf ! L'un des matelots se réveille en sursaut. Et hier, j'ai attrapé une sardine comme ça. Tu te fiches de nous, des sardines dans le Morvan? Oh, mais ça devait être une perche ou une tanche. Mais c'est vous qui êtes des tanches, c'est ce que j'ai vu. C'était une belle sardine. Eh, les filles, vous avez entendu ce bruit? C'est ta sardine qui te passe le bonjour. Arrêtez-vous! Moi, je vous dis que j'ai entendu un bruit qui n'est pas commun. Jacques, ça n'est une bête féroce. Attendez, je regarde ça. Oh, mais regardez où nous sommes! Les bouteilles de bière vides glissent sur le plancher du kayak. Ah, c'est vrai que ça fait sacrément du bruit, ce bestiau. Tu en es d'où? Oh, on sait bigrement rien. Mais hein? C'est pas le machin qu'on voit là-bas au loin? Hein? Mais c'est quoi ce bazar? Hein? Un grand pingouin? Mais si, 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 croyez-moi. C'est le grand pingouin! Hein? Nous voilà chez les Esquimaux! Ah, une gueule de grand pingouin, moi! Sortez ça, c'est le vitriol! Vous y verrez plus clair! Ouais! Dédé et Fanny se resservent allègrement de la gnôle locale. Faut reconnaître que c'est du brutal. J'ai trouvé un bon goût de pomme. Et on a de la pomme. Hein? Mais c'est toi qui avais raison, Carole. C'est bien le grand pingouin là-bas. Hein? Vous êtes vraiment des grosses truites. Hein? Un grand pingouin en plein monde morvan. Mais tu sais qu'avec la plage et qu'il se réchauffe, ça remonte ces trucs-là. Ah, c'est vrai? Un petit bout qui se détache. Il dérive et puis le voilà. Mais oui, c'est courant. Oh, mais coin, coin, coin. T'as déjà vu un pingouin qui fait coin, coin, ou dans mon lit? Mais c'est sûrement un pingouin bilingue. C'est un canard. Peu importe, les gars. On fera mieux de le plumer. Hein? Chope l'arbon et sors la carabine. Hein? Ah non, je prends le pommeau, regarde. Attendez les gars, laissez-moi y faire, je sais y faire avec les pierres. Merci. Je te fumerai la bête, je te fumerai.
Pendant qu'ils se bataillent comme des chiffonniers, moi je peux même me tirer. Allez, prends un bruit. Oh, ils sont en retard. Bien, les enfants, nous allons entrer. Attendez un instant, je vais faire la tête. Vincent. Présent. Juliette. Présente. Anna. Présente. William. Présent. Julie. Présente. Jeanne. 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 Oui. Ah bah c'est pas trop tôt. Bon. Eh bien, venez, s'il vous plaît. Hé, les copains, regardez, moi, mon doudou. Waouh, trop bien. Bah, moi, mon dinosaure, il est joli. Non. Non. Bah, si, il est joli. Non. Non, le mien, il est plus beau. Ouais, je suis d'accord avec Jeanne. Les enfants. La visite n'a même pas commencé, alors venez ici et calmez-vous. Bonjour les enfants. Bonjour Docteur Gilo. Alors, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bah, c'est la maîtresse qui nous a dit de venir. Si tu écoutais mieux en cours, tu saurais pourquoi on est ici. Oui bon, reprenons. Je suis ici pour vous parler des dinosaures. Ce sont des gros lézards qui sont morts il y a 65 millions d'années. Regardons. Voici le squelette d'un tétradoctocon. Waouh, wow, trop bien. Moi, mon papa, il est chasseur. Et même, il m'a dit que quand il était petit, il avait tué tous les dinosaures avec mon papy. Pan. Non. Arrête tout de suite, tu poses ça et tu vas au coin. Bon. Immédiatement. Eh oh, non, mais c'est pas bientôt fini, je t'avoue. Toi, là, descends tout de suite, c'est pas un cheval. Bon, c'est quand qu'on va voir les dinosaures, là? Ah, non, mais on vous a jamais dit à l'école qu'ils étaient morts, les dinosaures? Bah non. Ah là là, l'éducation nationale est en réforme, hein. Oui, bon, monsieur Gilo, il est en 50 tout de même. Oui, bon, revenons-en à nos moutons, plutôt nos dinosaures. Bon, du coup, ils sont morts ou pas? Mais non, ils sont pas morts, ils sont jurassiques pas. Vous voyez, ça, c'est des faux dinosaures en plastique, hein, parce que les vrais, ils sont morts. Bah, ils sont morts comment? C'est mon papy, il les a tous tués. Pan. C'est déjà la deuxième fois. La prochaine fois, c'est une retenue, le venir après midi. Maintenant, vous allez vous relever et je ne veux plus vous entendre. Mais enfin, vous n'écoutez plus rien puisque je vous dis que les dinosaures sont morts il y a 65 millions d'années. D'ailleurs, les humains ne les ont jamais rencontrés. Nous sommes apparus sur Terre il y a seulement 3 millions d'années. Ils sont morts à cause d'une météorite et d'un volcanisme intense. Ben, comment tu sais, toi, si tu les as pas connus? Dis donc, Jeanne, on ne tutoie pas monsieur Bilo. Mais on nous a dit qu'on allait voir des vrais dinosaures, pas des vieux machins en plastique. C'est trop nul, trop nul, trop nul. Regardez, Hugo. Ah, la maîtresse. Est-ce que vous connaissez Dino Train? Oui. Alors, c'est parti. Allez, maîtresse. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des dinosaures, j'en suis. Il y a des dinosaures. Il a mangé mon doudou. Maîtresse.
Merci à vous, je vous prie de rejoindre la dernière salle, celle de la première scénette, pour regarder la dernière scénette. Merci à vous. Ok, c'est possible. La scène que vous allez découvrir a été adaptée d'un texte issu du Journal des Savants de 1664. Quatre paysans s'étonnent des bizarreries de la nature, comme le mouton à cinq pattes. Oh, oh la mago. Oh, t'as raison, j'en peux plus. Oh, le chien. Moi, je t'écoute. Allez, au sauciflage, épinage. Tu vas pas te bouger la bouteille, toi. Oh, tiens. T'as coupé le sauce, toi. J'ai caché le jambon du lobel sous la serviette. Il y a eu du feu. C'est de la canne, ton truc, ça se coupe pas. Estime-toi heureuse que je t'en ai déjà donné. Achetez-vous. C'est de la canne, ton sauciflage. Même le chien n'en voudrait pas. Elle a raison, file le jambon. Lucie m'a donné ce Robert de radin. Oh, calmez-vous. Vous n'auriez pas des potins à raconter, par hasard. Bah si que j'en ai un. Vous vous souvenez de la peau du loup? Oui, la brûlée, la femme du palefrenier. Il y a 3 semaines, elle a accouché d'une fille. Une horreur. 2 têtes, 4 bras, puis autant de mains. Ça, c'est pas ça. Et comment doit-on appeler cette créature? Bah qu'est-ce que j'en sais? Eh ben moi je sais. Comme quand j'ai jamais été double, on lui donna au baptême les prénoms de Marie et Marie. Ah, et puis, vous savez pourquoi? C'est qu'elle faisait la nourriture par ses 2 têtes, puis qu'elle faisait ses excréments à l'ordinaire. Puis ce monstre, il avait vécu environ 2 jours. La chicot est partie avec. La ptiote, la amarte, qui avait paru toujours plus vive que la Marie, mourut la première et Marie un quart d'heure après. Puis un médecin les découpa et trouva 2 têtes et 2 poitrines très parfaites. Puis ventre, je vous en parle même pas. Oh, il y a 2 foies, 2 rates et puis 2 estomacs. On a embaumé ce monde. Et puis, bah, on le conserve soigneusement. Oh, attendez, venez, venez, je vais vous montrer. Allez, on y va. Visite prend fin. Nous espérons que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Nous vous remercions pour votre écoute. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons une pensée particulière pour Monsieur Chabard, conservateur du Muséum d'Histoire Naturelle et son personnel, Madame Eulalie Torres et Khaled qui ont encadré la mise en scène des élèves, La DRAC, Direction Régionale des Actions Culturelles pour le financement de cette soirée, Madame Bourgeois pour la conception des costumes de Gargouille, Dim pour les tissus fournis pour ses costumes, Madame la proviseure du lycée Bonaparte, Madame Muinieri, et Mesdames les proviseurs adjointes, Madame Ménager et Madame Dark, pour avoir rendu possible cette soirée. Les 34 élèves de la classe Sciences et Patrimoine qui ont animé la soirée, et Madame Leclerc ainsi que Madame Thibaudet. Je suis le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle. Je suis le directeur du Muséum
très heureux de les avoir ce soir ici en représentation. Ils ont fait un travail merveilleux. Moi, je pense qu'on peut applaudir les élèves, les profs et les personnes, Eulalie et les autres personnes qui ont encadré, les spécialistes du, comment vous appelez, Khaled. Voilà, voilà. Je pense qu'il faut les applaudir très, très fort.